Je vous prie de vous mettre debout. On va l'invoquer notre Dieu par les paroles du psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. Il réclame ta vie à la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. Il nourrit de ses biens ta vigueur. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès, il n'égare pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Il sait bien de quelles pattes nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Que le vent passe, elle n'est plus. Mais la fidélité du Seigneur reste depuis toujours et pour toujours. Amen. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel le cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'ainsi Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Ce matin, nous voulons vous inviter à chanter un Alléluia au Seigneur. Une fois n'est pas coutume, nous allons chanter en français, en créole et en tahitien. Rassurez-vous, les paroles seront projetées. Thank you.
la lumière qui nous éclaire, toi qui donnes la vie, nous ne pouvons cesser de te louer. Alors ce matin, nous venons à tes pieds te dire que tu es notre Dieu, lumière du monde. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Oui, Seigneur, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu es tout.
merci Seigneur pour ton amour et ta bienveillance. Chaque jour, tu viens à notre secours et tu nous couvres de tes ailes. Merci Seigneur d'être le rocher de notre salut. Merci pour ta bienveillance. Nous nous sommes adressés à Dieu dans l'adoration.
dans la louange, dans ces prières chantées. Nous voulons prolonger ces moments de prière maintenant dans la prière parlée. Et je vous invite ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent, de vous mettre à genoux et on va prier à notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus ce matin pour te rendre un culte, pour vivre une rencontre avec toi et avec nos frères et sœurs dans la foi. Merci Seigneur pour le cadeau que tu nous as fait un jour du sabbat, une pause où nous pouvons nous ressourcer, un temps où nous pouvons recharger nos batteries, un temps où nous pouvons vivre quelque chose de différent que nous vivons dans notre quotidien. Merci Seigneur que tu nous accompagnes dans notre vie, que tu chemines avec nous, que tu nous fais confiance. Seigneur, apprends-nous aussi à te faire confiance dans toute notre vie, dans toute situation, dans toute circonstance. Merci Seigneur que dans toute cette fragilité de l'existence humaine, tu nous donnes des raisons pour vivre la joie, la paix et l'espérance. Merci Seigneur que tu nous pardonnes nos fautes et que ta grâce est abondante, que tu nous libères de notre culpabilité en nous offrant un nouveau départ. Seigneur, aide-nous à nous aussi à pardonner, mais aussi rende-nous capables de pardonner ceux qui nous ont offensés, mais aussi d'aller vers ceux à qui nous sommes blessés, de demander pardon à ceux qui nous avons blessés. Seigneur, nous voulons te aussi présenter nos malades, les personnes qui souffrent dans notre communauté, qui passent par tout moment de souffrance. Merci pour ta présence guérissante. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous envoies encore aujourd'hui. Comme l'a dit le prophète Ésaïe, ta parole est comme la pluie qui descend du ciel et qui ne retourne pas là-haut sans avoir apporté les effets bénéfiques à la terre. Nous aussi, Seigneur, nous aspirons que ta parole ait des effets bénéfiques dans notre vie, que ta parole et ton Esprit Saint transforment notre vie. Nous te présentons cette prière en Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant c'est le temps tout particulier pour nos enfants, la parole aux enfants. Et chers enfants, je vous invite de vous avancer et prendre la place habituelle ici devant. Et je remercie à Sharon d'avoir préparé le message pour ce matin. Bonjour les enfants.
Je sais que c'est les vacances, mais vous êtes là quand même. Bonjour. Et bonjour aux grands. Et à tous, je vous apporte les salutations de mon église, de mon île, à Montserrat. Ils m'ont dit qu'il faut saluer les membres à Collonges de notre part. Mais je profite pour vous dire, j'étais très contente d'être chez moi, mais en revenant ici, il y a une montée d'émotions en moi, je me suis rendu compte que vous m'avez manqué. Je vous aime fort. Les enfants, aujourd'hui, je vais vous parler de Matthéo et quelque chose qu'il a vécu. Et peut-être certains d'entre vous, vous pouvez vous identifier avec cela. Matthéo était en CE2. Y a-t-il quelqu'un ici en CE2? Personne? CE1? CP? Ok, donc, ok. À l'école primaire. Matthéo n'était pas le plus brillant de tous les élèves, mais il avait de très bonnes notes. Et il n'avait pas de problème en aucune matière, sauf que, là, cette année, ils ont commencé une nouvelle matière, l'anglais. Et là, il a du mal, Matthéo. Il y a toutes sortes de sons bizarres qu'il n'arrive pas, sa langue n'arrive pas à les dire. Il fait de son mieux et puis ça passe pas. Le pire, c'est que la maîtresse leur a donné deux lignes d'un petit poème qu'ils doivent mémoriser et réciter en classe. Alors, pour un anglais, c'est tout simple. C'est en fait deux lignes qui disent « Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. » Jésus m'aime, je le sais, parce que la Bible me le dit. C'est pas long, c'est pas court, c'est pas compliqué. Mais il y a quand même des sons dedans qui sont très anglais. Alors Matthieu, il essaye. Jésus... love me, this I can know, for the Bible tells me so. Bon, il le dit, il se rend compte que ça ne sonne pas exactement comme ce qu'il a entendu. Mais il n'arrive pas. Il dit, bon, idée. Je vais demander à Elodie, qui est la plus forte en anglais. Elle va m'aider. Il commence. Jésus, love. Alors, Elodie, elle est par terre déjà. Elle roule. Dit, mais c'est trop drôle. Mais tu le massacres, Matthéo. Mais c'est pas comme ça. Ben, essaie encore. Jésus, love me. Elle n'arrive pas. Elle rit trop. Elle dit, mais je peux pas. Je peux pas. C'est trop drôle. Ok. Dit, bon. Je vais demander à Max, c'est mon meilleur copain. Il n'est pas aussi fort qu'Elodie en anglais. Mais bon, je suis sûr qu'il fait mieux que moi. Ça, c'est facile. Max, tu peux m'aider. Max dit, bah, tu commences à réciter. Et il commence comme d'habitude. Alors Max dit, non, c'est pas Jésus, c'est Jesus. Jesus. Bon, ok, ça passe. Loves me. Love you. Il n'arrive pas à le dire comme il faut. Alors, Jesus love me. This. Matthieu dit, non, c'est pas the, c'est the. The. Mais je vais te cracher dessus si je dis ça. Il dit, mais c'est the. Et il le dit devant le miroir, il n'arrive pas. Ça ne sort pas. Il n'est pas allé loin dans le poème. Hein. Jesus love me. Donc, il se met dans un coin et il essaye de le dire tout seul. Bah, ça ne va pas mieux. Puis arrive Cathy. Au moins, on l'appelle Cathy. En fait, elle s'appelle Café. Mais personne n'arrive à dire le feu. Donc on dit Cathy.
C'est une nouvelle petite Anglaise qui arrive à l'école et elle-même en français, c'est pas trop fort. Elle se débrouille à peu près, mais elle dit, elle prononce mal. Donc elle s'approche de Mathieu et lui dit: Puis-je te t'aider, Mathieu? Bon, on voit que sa prononciation du français, c'est pas parfait, n'est-ce pas? Mathieu, qui franchement s'était moqué d'elle avant, parce qu'elle, elle prononçait mal le français, ben, il est tellement désespéré, même s'il a honte, il dit « Oui, s'il te plaît, mais j'ai l'impression que c'est impossible. » « Ne t'inquiète pas, Mathieu, je vais t'aider. » Donc elle s'assoit à côté de lui et patiemment, elle dit d'abord « Pense au sens de la phrase. » Elle explique ce que ça veut dire. Puis chaque mot, elle dit « Jesus, Jésus, Dieu, Dieu, Dieu. » Elle répète, elle ne critique pas, elle ne se moque pas, elle dit tout simplement chaque mot, elle le répète 1000 fois jusqu'à ce qu'il arrive à dire la première phrase « Jesus loves me ». Alors pour le « this », il doit se concentrer. This, oui, elle dit, oui, c'est bon. I know for, encore un vœu, hein, for the Bible, Bible, c'est ça, hein, tells me so, ouais. Elle applaudit, that is, c'est très bonne, Mathieu, c'est très bonne. Elle parle mal français, mais elle explique ce qu'elle pense, qu'il a réussi la première. Et il fait la deuxième phrase comme ça, et à la fin, eh ben, il a réussi. Puis il s'est dit, mais comment se fait-il qu'avec Elodie et Max, j'arrivais pas? D'après vous, pourquoi ça marchait pas avec Elodie? Elle était forte en anglais. Il n'était pas anglais, mais c'était le problème vraiment. Quand il essayait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se moquait. Et puis Max, à chaque fois qu'il faisait une erreur, il critiquait, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Alors elle le dit, Cathy, peut-être, c'est parce qu'elle ne connaissait pas assez de français pour le critiquer, c'est peut-être ça. Mais elle s'est concentrée à lui dire comment il fallait le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de se moquer, elle a dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et elle l'a encouragé. Vous savez, des fois, c'est pas pour l'anglais, mais c'est pour autre chose. On peut avoir quelqu'un en face de nous qui n'arrive pas. Et c'est facile de dire, il faut pas faire comme ça, ou tu fais n'importe quoi. Mais d'essayer d'aider la personne, parfois c'est juste en le faisant bien nous-mêmes, pour qu'il voit comment ça se fait. D'accord? Je prie avec vous. Seigneur, merci pour toutes les choses que chacun ici sait faire et bien faire. Aide-nous à être patients avec ceux qui n'arrivent pas, les petits et les grands. Aide-nous à les encourager, pas les critiquer, pas se moquer d'eux, mais les traiter comme toi tu nous traites, tu es très patient avec nous. Tu es gentil et doux. Aide-nous à faire pareil, je te demande. Amen. Évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis,
il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent, un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a donc condamnée ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » La bienveillance est dans l'air du temps, dans les mots en tout cas. Deux exemples. Le président Obama, dans un discours de 2016 à l'université Rutgers, c'est une des grandes universités américaines, 52 000 étudiants, déclarait ceci. L'ignorance n'est pas une vertu, mais les qualités comme la bienveillance, la compassion, l'honnêteté comptent souvent bien plus que les savoirs techniques. Emmanuel Macron, qui n'était pas encore président de la République, c'était juste après avoir lancé le mouvement En Marche, disait sur France 2 le 10 avril 2016 « J'ai une règle de vie » pour les femmes et pour les hommes, comme pour les structures, c'est la bienveillance. Donc, je n'ai pas besoin pour exister de dire du mal des autres. Voyez la bienveillance dans le discours de l'un comme dans les paroles de l'autre. La bienveillance est entrée en politique récemment. Mais elle existait déjà dans les domaines du management et de l'éducation depuis le début des années 2000. Deux concepts dont vous avez certainement entendu parler, le concept de la psychologie positive ou encore de la pensée positive. Qu'est-ce que la bienveillance ? Jean-Marie Guelette, qui est un théologien et un médecin en même temps, déclare ceci. Nous ne sommes pas dans l'ordre du ressenti, mais c'est une disposition qui relève de l'éthique. Une disposition qui relève de la conduite de la vie. Dans bienveillance, il y a le verbe vouloir. La bienveillance est un vouloir bien, un vouloir bon. Un vouloir orienté aussi, un vouloir orienté vers l'autre. Tout à fait à l'opposé de la méfiance, retrait, voire agressivité, qui peut dégénérer en violence à l'égard de l'autre, différent. Être bienveillant, c'est vouloir le bien de l'autre, même s'il ne partage pas mes idées. Même s'il ne partage pas mes façons de vivre, quel que soit son comportement.
Fabienne Brugère, qui est philosophe et professeure à Paris 8, écrit ceci: être bienveillant, c'est à la fois décider que l'autre est susceptible de grandeur, de belles actions, mais qu'en même temps, nous avons à prendre soin de lui. L'autre est susceptible de grandeur, mais il a aussi besoin de nous. Lita Basset, théologienne voisine suisse, écrit dans son ouvrage « Oser la bienveillance », un titre qui montre, soit dit en passant, que la bienveillance est un engagement, et en même temps une certaine prise de risque, oser. Eh bien, voici ce qu'elle écrit. Personne ne bouge, ne grandit, ne se responsabilise tant qu'on le soupçonne systématiquement du pire et qu'on ne s'attend à rien de bon de sa part. Enfin, j'emprunte à Jacques Lecomte, un ami de longtemps, initiateur de l'Association francophone de psychologie positive, cette double opposition, la coopération plutôt que la compétition, la confiance plutôt que le rapport de force. On le voit à travers ces quelques citations, la bienveillance ne vient pas d'un sentimentalisme mièvre. La bienveillance n'est ni naïve ni facile. À nous, chrétiens, elle évoque évidemment le comportement de Jésus. Et je vous propose de considérer avec attention l'épisode qui nous a été lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, épisode qui a une histoire particulière. Peut-être avez-vous remarqué dans vos Bibles que c'est un épisode qui est placé entre crochets, comme si cette unité littéraire avait mis un petit peu de temps à s'imposer parce qu'elle n'était pas facile à accepter. Mais finalement, eh bien, elle a quand même été pleinement intégrée à l'Évangile. C'est dire qu'elle a une importance particulière, cette histoire. Dès le matin, Jésus est dans le temple, probablement sous le portique de Salomon, et il enseigne le peuple qui s'est assemblé, comme il le faisait d'ailleurs la veille, dernier jour de la fête des tentes. Et soudain, le cercle qui s'est formé autour de lui est brutalement rompu par l'irruption d'un groupe de pharisiens et de scribes. Il précipite au milieu, nous dit le texte, une femme qui a été surprise en adultère. Regardons-la, cette femme qui surgit devant nous malgré elle. D'abord, elle n'a pas de nom, comme si elle ne méritait pas d'en avoir. Elle est seulement caractérisée par ce qui la stigmatise, l'adultère. Et si nous n'avions pas compris la première fois, on nous le répète. Surprise en flagrant délit d'adultère. Les expressions utilisées pour la désigner montrent combien on la méprise. Cette femme-là. De telles femmes ou des femmes pareilles. Elle est jetée en pâture au milieu. Je reviens sur cette expression. Et sa honte doit réjouir le bien-pensant. C'est bien fait pour elle. Elle l'a bien mérité. Remarquez également qu'on parle d'elle, mais qu'on ne lui parle pas. On ne lui demande rien. Elle n'a pas droit à la parole. En fait, si on regarde le texte, on s'aperçoit qu'elle n'est qu'un instrument pour monter un coup contre Jésus.
Elle n'est qu'une pièce du piège qui doit permettre de l'accuser. Car c'est bien Jésus qui est visé à travers elle. Il est d'ailleurs troublant de constater que la suprême violence dont elle est menacée, la lapidation, menacera également Jésus à la fin de ce même chapitre 8, au verset 59. Lapidation pour elle, lapidation pour lui. Tournons-nous vers Jésus maintenant. Il est interpellé par les scribes et les pharisiens, des hommes de poids, des autorités, on pourrait dire, des autorités aussi bien morales que spirituelles. Il est interpellé par ce mot « maître », équivalent de « rabbi », on dirait aujourd'hui « professeur ». Donc les scribes et les pharisiens lui reconnaissent une vraie compétence. Et il s'adresse à lui, peut-être avec un peu d'ironie, comme à un arbitre. Dans la loi, Moïse nous prescrit de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? Vous remarquez la convocation de Moïse. Donc, la convocation de la loi, Deutéronome 22. Grande impression sur l'assistance. Que dire après cela ? Moïse a parlé. Eh bien, justement, Jésus ne dit rien. Jésus n'entre pas dans leur jeu d'habiles manipulateurs de mots. Jésus ne veut pas d'affrontement. Il ne veut pas discutailler. Il sort du jeu. Et le texte dit quelque chose d'étrange. Il se baisse vers le bas. Pléonasme significatif qu'on ne traduit habituellement pas. Mais Jésus se baisse vers le bas et il se met à dessiner sur la terre, précise le texte, des formes dont on n'a pas le contenu, des formes en tout cas éphémères, puisque dans la poussière. Enfin, après avoir été harcelé longtemps de questions diverses, Jésus se redresse et il parle enfin. Peu, mais fort. Voilà ce qu'il dit dans une traduction littérale. Que le sans péché parmi vous jette en premier une pierre sur elle. C'est pas seulement lui jette la pierre, hein, ça c'est devenu une expression toute faite, mais là c'est jette une pierre sur elle. Important cette formulation. Qu'est-ce que Jésus vient de dire ? Pour juger, pour condamner, il faut en être digne. Petite provocation peut-être de sa part, la peine de mort, pourquoi pas ? Encore faut-il des juges impeccables, infaillibles. Et puis, il y a la façon dont Jésus s'exprime, qui montre ce qui importe vraiment. Non pas des pierres, mais des humains. Un humain qui va jeter une pierre sur un autre humain pour faire jaillir son sang, pour briser ses os, pour crever ses yeux et le faire mourir. Et le faire mourir, car c'est bien ça l'objectif de la lapidation. Il faut que ceux qui prétendent faire justice découvrent l'humain en face d'eux et en eux. Cela m'a rappelé ce que raconte Albert Camus
Son père avait assisté à l'exécution d'un homme qui avait tué toute une famille, et en particulier des enfants. Il l'a vu guillotiner. Quand il est rentré à la maison, il était tout pâle. Il n'a rien dit et il a vomi. Lui qui avait souhaité la mort de cet assassin abject, de ce monstre qui avait tué des enfants, se rendait compte que ce monstre était un homme, un humain comme lui. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus souhaitait que réalisent les accusateurs. Le texte de l'Évangile précise que ceux qui se pensent juges entendent les paroles de Jésus. Ben oui, ils ont des oreilles, mais le texte le précise, ils entendent les paroles de Jésus. Ces paroles, elles retentissent en eux et alors ils sortent. Jésus vide le banc de l'accusation, mais ce n'est pas le plus important. En même temps, il ouvre à ces hommes de nouvelles perspectives. Ils sortent, et on pourrait dire qu'ils sortent de leur aveuglement mortel. Et le texte nous dit, et Jésus reste seul. Curieuse précision, alors qu'il y a tout le peuple assemblé là. Jésus reste seul, et pourtant, Jésus est bien seul. Il est le seul digne de juger. Il est le seul impeccable. Et que fait-il ? Il se tourne vers la femme au milieu. Il la voit. Il la voit vraiment. Comme un être humain vivant et souffrant. Il lui parle, il l'appelle « femme ». Et le mot n'a rien de brutal. Jésus utilise le même pour s'adresser à sa mère dans l'épisode des noces de Cana, au début de l'évangile de Jean. Jésus lui dit « tu ». Elle existe devant lui. « Personne ne t'a condamné, lui dit-il. Une question pour qu'elle parle, et elle parle. Personne, Seigneur, Seigneur, c'est autre chose que maître. Le Seigneur, c'est l'autorité à qui l'on fait pleine confiance. Il y a là une relation qui se noue. Moi, je ne te condamne pas non plus. Je te, moi, toi, je ne te condamne pas non plus. Non, je t'accueille, je t'accepte. Et Jésus ajoute, va, et à partir de maintenant, ne pêche plus. Oui, de péché, il y a bel et bien. À partir de maintenant, ne pêche plus. Tu étais enfermée, tu étais prisonnière. Je te libère. Va. Va, je te fais confiance. À partir de maintenant, ne pêche plus, ne te trompe plus. Ton horizon est ébouché. Il s'ouvre. Il s'éclaire. Tu as un avenir. Tu as un nouveau chemin à parcourir. Je m'attends à quelque chose de bon de ta part. À partir de maintenant, dit Jésus, le maintenant de la rencontre, cette femme a rencontré Jésus. Et c'est ainsi que s'achève le récit et que commence une nouvelle histoire qui ne nous regarde pas. Mais continuons à regarder Jésus. Il est face au péché dans sa triple présence. L'adultère, bien sûr,
mais aussi le piège sournois qu'on lui tend, et puis plus généralement le péché de l'homme. De son péché, il n'y en a pas. L'adultère, souvenez-vous, c'est une image fréquente pour parler de l'infidélité à Dieu. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, au verset 39, Jésus dit « Génération mauvaise et adultère !» Et à qui parle-t-il ? Aux scribes et aux pharisiens. Adultère, pécheur, la femme, les scribes, les pharisiens, tous les assistants à cette scène le sont. Jésus est là pour affronter le mal. Et nous l'avons dit, il est le seul juste qui peut juger. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour sauver. Nous connaissons par cœur Jean 3,16, mais n'oublions pas le verset 17. Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pas jugé, mais sauvé. Nous voyons ici à l'œuvre la bienveillance de Jésus à l'égard de la femme, comme à l'égard de ceux qui réclament que l'on obéisse à la loi. Cet intérêt égal est d'ailleurs souligné par le parallélisme de l'attitude de Jésus dans le texte. L'insistance de l'auteur est assez surprenante. Quand Jésus s'adresse aux accusateurs, le texte dit exactement « Il se redressa et leur dit ». Et quand enfin il parle à la femme au milieu, le texte dit « S'étant redressé, il lui dit » exactement les mêmes verbes, exactement les mêmes actions, même bienveillance à l'égard de l'une et à l'égard des autres. On insiste en général sur l'attitude de Jésus à l'égard de la femme adultère, on oublie trop souvent son attitude à l'égard des accusateurs. Nul doute que Jésus était, allez, on va dire, théologiquement armé pour dénoncer l'adultère, mais aussi pour dénoncer le comportement lamentable des responsables de cette scène. Mais Jésus ne le fait pas. Jésus ne fait pas la leçon. Jésus n'agresse personne, il considère. Je veux dire, il a de la considération pour cette femme qui souffre. Il a de la considération pour ces hommes qui sont victimes de leur aveuglement, qui prétendent dénoncer le mal et ne voient pas ou refusent de voir celui qui est en eux. Jésus ne cherche pas à avoir raison. Il ne veut pas les enfoncer, il veut les sauver, il veut les sauver, il veut leur rendre la direction de leur vie. Je m'interroge sur la signification de ces mouvements de Jésus. Il se baisse, on pourrait traduire, il s'incline, il se penche par deux fois, avec la mention de la terre. Et puis par deux fois également, il se relève ou il se redresse. Dans le texte original, le mot se baisser et le mot se relever a le même radical. C'est surprenant. Comme si c'était une même action en continu. Simplement, il y a un préfixe différent. Un préfixe qui veut dire vers le bas, donc se baisser, et un autre préfixe qui veut dire vers le haut, donc se relever. Mais c'est le même verbe, en continu. Un verbe d'ailleurs assez peu fréquent dans le Nouveau Testament. Alors, Jésus n'est-il pas celui
qui s'est penché, plus qui s'est baissé, qui s'est même abaissé jusqu'à revêtir notre humanité d'homme de la terre. Souvenez-vous, deux fois la mention de la terre. De glébeux, comme dit Chouraki. Et puis, qui s'est ensuite relevé pour regarder vers le haut, Jésus vers le bas pour nous, et pour nous tout autant vers le haut. Jésus incarné et Jésus ressuscité. La bienveillance. Le comportement de Jésus nous donne à penser. La bienveillance comme règle de vie, comme façon d'être. Vouloir toujours le bien de l'autre. Je cite quelques mots de Dominique Streller, professeur à Grenoble. Ne pas favoriser l'opposition des uns contre les autres quand le but consiste à encourager l'art de la rencontre et du travail commun. Que le débat d'idées existe, que les désaccords s'expriment et s'affrontent, mais dans l'intention de renforcer le tissu social et non de l'affaiblir. Et plus loin, la bienveillance est nécessaire. Combinée à la voie de la raison, elle peut faire progresser sans aucun doute notre engagement à contribuer au bien commun et nous amener à considérer autrui comme sacré avant toute autre forme de jugement ou de considération. Considérer autrui comme sacré. Bien sûr, la perspective de ce professeur est essentiellement humaine, mais quel devrait être alors notre engagement à nous qui reconnaissons Jésus comme Seigneur? Quel devrait être notre engagement à nous? Quelle ne devrait pas être notre bienveillance? Notre bienveillance les uns pour les autres. Que le Seigneur nous soit en aide. Amen.
c'est la bienveillance et la générosité du Christ qui ressort de ce récit que nous avons médité ensemble. Et nous pouvons exprimer notre générosité, notre bienveillance vers ceux qui en ont besoin par nos dîmes et offrandes. J'invite, par les dîmes et offrandes, quel que soit leur montant. J'invite maintenant le service du diaconat pour passer dans les rangs pour recueillir ces dîmes et offrandes. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ce don ineffable que tu nous as accordé à nous, l'homme, cette créature que tu as faite de tes propres mains, que tu as façonnée à ton image. Nous te remercions parce que ce matin, tu permets que nous puissions également nous exprimer, te montrer notre reconnaissance, Père, pour la vie, la santé, mais pour toutes les bénédictions que nous recevons jour après jour, la vie. Et ce matin, Père, nous te prions de pouvoir recevoir ce que nous t'offrons ce matin, à commencer par notre cœur, mais aussi, Seigneur, ce que nous te devons. Car c'est en Jésus, Seigneur, que nous voulons te confier tout cela, mais aussi nos vies, nos familles, nos enfants, nos jeunes et tous nos amis que nous chérissons. En Jésus, nous t'avons prié. Amen.
recevons la bénédiction du Seigneur. Au demeurant, mes frères et sœurs, soyez dans la joie. Encouragez-vous, soyez d'accord, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.